Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de test. Aujourd'hui on va tester un sniper que je n'ai jamais utilisé du jeu, donc le P06. Donc voilà, pour vous dire à quel point je ne l'ai jamais utilisé, voilà, donc gagné 5 médailles, 1 balle, 1 mort, 0 sur 7. Il est niveau, il est niveau 0, enfin niveau 1 de base, voilà, vous voyez en bas à droite. Donc je n'ai jamais joué avec. Donc vraiment le SVJ aussi d'ailleurs je crois. Alors le Locust lui par contre je l'ai presque en or. Je l'ai pas fini, il me reste pas grand chose. Je sais pas ce qu'il me reste, il me reste les médailles sanguinaires. Il me reste les médailles sanguinaires et les 10 tirs de loin. Et c'est tout, oui. Donc voilà, c'est le premier sniper que j'aurai en or. Il y a le Dracon, non le Dracon il est pas du tout bien avancé en fait. Je dis de... Non, il y a que le Locust dans les snipers. Donc voilà, donc depuis la dernière fois j'ai du test, j'ai pas beaucoup avancé, j'étais niveau 51 je crois. Et là je suis niveau 54, donc j'ai pas énormément joué depuis la dernière fois. Donc on avait testé, je ne sais même plus quoi ce qu'on avait testé. La Cheva, ouais, on avait testé la Cheva. On a fait une très mauvaise partie. D'ailleurs maintenant je suis à 94 sur 100, donc 94 têtes sur 100. Je l'aime vraiment pas cette arme. Vraiment, je l'aime vraiment pas, j'arrive pas du tout à jouer avec. Donc le P06, donc je sais bien que c'est un sniper que quand on appuie, il a... un petit temps de charge avant de tirer, ça je le sais bien parce que je l'ai déjà ramassé par terre, sauf que j'ai jamais tué personne avec. Genre je l'ai utilisé, j'ai ramassé par... il y a pas longtemps en plus. Je l'ai ramassé par terre, j'ai tiré genre deux fois, j'ai raté le tip et il m'a tué puis c'est tout. Voilà, donc on va aller faire une MME. Hein. Donc je vous ai dit, ah oui j'ai fini le Firebreak, le spécialiste, donc totalement, oh métro, c'est la map que je déteste. Je suis désolé mais on va la quitter parce que je vais même pas la terminer, elle est déjà commencée en plus. Je vais même pas la terminer, métro c'est vraiment une map que je déteste et que je fais extrêmement rarement. Parce que quand je tombe dessus en général je quitte avant même que la partie se lance parce que je déteste vraiment cette map. C'est vraiment l'horreur, je la déteste quoi. C'est rare que je déteste une map à ce point là. La dernière fois que c'est arrivé, je saurais même pas vous dire dans quel Call of c'était. C'est sûrement déjà arrivé. Parce que, ouais, en plus elle a commencé depuis longtemps. Ah, oh, on va la gagner. Non, non, juste tant pis. On reste pas pour la victoire. On n'est pas comme ça. En vidéo, on n'est pas comme ça. donc voilà. Donc, ah oui, j'ai pas regardé ces derniers ratios. C'est pas grave. Bon, est-ce que ça veut bien quitter assez rapidement pour qu'il y ait quelque chose à montrer quand même, parce que. Donc voilà, le spécialiste, le Firebreak, je l'ai totalement terminé, donc ça c'est moche, je déteste ce casque. Bon, là on le voit pas, mais si tu pouvais charger, voilà. Donc je déteste ce casque, regardez, moi j'ai celui de base toujours, j'ai toujours celui de base. Je l'ai laissé depuis le début, j'ai laissé celui de base. Tous les autres casques, enfin, les trois premiers, voilà, c'est juste une différence de couleur. Donc voilà, moi je préfère l'orange parce que ma couleur préférée c'est le rouge, et ce qui rapproche le plus, c'est l'orange. Le bleu est très beau aussi, et le vert, ça va quoi, c'est juste la couleur qui change. Mais les autres casques... Je les aime pas moi. Bon évidemment c'est les goûts et couleurs, hein, ça se discute pas, mais moi je les trouve même moches quoi. Surtout celui-là c'est le pire. Pourtant il est rouge. Hein. Ces deux-là c'est les pires. Je trouve personnellement évidemment. Et donc celui-là j'aime pas, donc je laisse celui de base même malgré que j'ai débloqué l'autre. Par contre la tenue en or est pas mal. Même la tenue de base, j'ai laissé la tenue de base jusqu'à que je débloque celle-là. Une fois que j'ai débloqué celle-là je l'ai mis parce que j'aime bien. Mais les autres, je préférais. C'est pas qu'elles sont moches, celle-là les tenues ça va. Mais c'est juste que je préférais celle de base quoi. En orange comme ça, je trouvais ça stylé. Et puis celle-là était quand même plus belle je trouve. Et puis bon, on a celle-là en or, donc qui est pas mal stylée. Avec ma tenue d'or diamant, donc voilà. Bref, petit interlude. Et pour le spécialiste de celui-là, il faut faire quoi encore? Tuer spectre ennemi. Donc il faut tuer un spectre ennemi en ayant utilisé le camouflage 4 fois. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des spectres ennemis en face. Et là, je suis à 2 sur 6. Par contre, il y a des fois, les médailles ne comptent pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le même problème pour le Firebreak. Ça ne comptait pas des fois, souvent même. Et je comprends pas pourquoi. Bon, bref. On va lancer pour le P06. Oh, encore une partie pour commencer. Je crois que je vais faire une ellipse. Et là j'arrête pas de parler, je parle très vite en plus, je m'en rends compte, je le sais, on m'a déjà fait la remarque, désolé. Mais bref, du coup, si la partie vient de commencer, je vais la faire, si la, parce que la vidéo va être trop longue sinon. Mais sinon je vais faire une aide, on fera une partie qui n'est pas encore commencée. Le niveau de batterie de la DualShock 4 est faible, c'est dommage. Ok, la partie est quasiment terminée, donc je fais une petite aide, on se retrouve tout de suite. 0-2, bon je signale que j'ai fait un lead marker, ce qui est vachement dégueulasse. J'ai fait un lead marker, pourtant je lui ai tiré dans le dos, pas j'allais dire dans le torse, mais non c'était dans le dos. Il s'est retourné puis il m'a mis deux balles, donc c'est assez génial.
Mais voilà, donc j'ai juste fait un nid marqueur, c'est le seul que j'ai pu tirer dessus. Après, bah, je me suis fait tuer deux fois et la partie c'est fini. Donc je n'ai toujours pas fait de kill avec ce sniper. Je sens que la vidéo va être une des pires en fait. Vous voyez quand j'ai dit avec la Sheva? Mais je crois que cette partie-là va être pire. J'aime bien les snipers. Avant, il faut savoir que à code 4, donc code 4 MW2 et code 4 MW2, donc MWA, MW2, MW3 et Black Ops 2, je jouais presque uniquement au sniper. Le sniper c'est quelque chose que j'adore, mais dans celui-là, sans l'aide à la visée, des fois c'est très dur. Mais ça va, franchement, avec le locus, je me suis habitué très très vite. Je sais pas, est-ce qu'on peut aller voir? Ouais, on va aller voir. Non, c'est pas ici que je dois aller, c'est où que je dois aller? Caserne, ici, voilà. Oui, donc j'ai toujours un 60 de ratio et ça n'a pas augmenté. Le locus, il est où? Locus, locus, tu es où? Locus, j'ai combien? 0,90 de ratio avec lui. Donc voilà, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, on peut le dire, hein. C'est pas très très beaucoup. Mais voilà, donc 0,90. Alors que sur code 4 et ça, mon ratio c'était de à peu près pareil, à 63 sur MW3. Mais MW3 au sniper, il était easy quoi. C'est MW2, j'avais ratio de 1,55 et sur code 4, donc mon premier call off. Pareil, j'avais un ratio de 1,55 plus ou moins de mémoire. J'ai toujours été au-dessus de 1,50, ça je sais bien. Et sur Black Ops 2, il me semble que c'est 1,66 exactement. Donc voilà. Donc Ghost, j'ai passé le premier prestige, j'ai arrêté. Black Ops, pareil, j'ai passé le premier prestige, j'ai arrêté. World at War, j'ai été niveau dans les niveaux 30, je sais bien, je crois que c'était 37 si je me trompe pas. Mais j'ai pas aimé ces jeux-là. Donc du coup, j'y ai pas joué. Advanced Warfare, je l'ai même pas eu. Je l'ai même pas eu chez moi, mais j'ai quand même passé le premier prestige chez un ami. À chaque fois que j'allais chez lui, on jouait en écran scindé, mais moi sur mon compte et lui sur le sien. Donc du coup, j'ai quand même pu passer le premier prestige, mais c'est tout quoi. Je sais même pas vous dire le ratio que j'ai sur Advanced Warfare. Je crois que j'ai même jamais regardé quoi. Je sais même pas si on doit pouvoir le voir, mais je ne sais même pas. Je l'ai jamais regardé, donc je saurais même pas vous dire quoi. Si ça se trouve, j'ai un super bon ratio, mais je ne pense pas parce que je faisais jamais de très bonnes parties sur Advanced Warfare. J'ai pas. Le jeu était potable, mais c'est en plus quoi. Black Ops 3, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, Code 4 reste quand même pour moi le meilleur. Je crois que j'aurais pu faire la collade, je lui ai tiré dans le coude et j'ai tué l'autre derrière son coude. Donc je suis en sensibilité 14, donc pour le sniper c'est pas très conseillé, je le sais bien. Bon, c'est ma sensibilité, donc c'est la sensibilité maximale. J'ai toujours joué en sensibilité maximum, sauf sur Modern Warfare E où je jouais, je saurais même plus vous dire la sensibilité que je jouais. Mais bon, c'est dans. Désolé, en général je ressors pas l'arme secondaire quand je joue au sniper, mais là j'avais plus de munitions donc je pouvais même pas essayer de retirer une balle. S'il me restait une balle dans mon chargeur, j'aurais utilisé. Je sais même pas si je vais utiliser le spectre, on va essayer. Oh, 4-0, on commence plutôt bien si ça pouvait se dérouler comme ça toute la partie. Ça serait très très agréable, ma foi. Même vachement agréable. Tu es où toi? Mais oui! Ok, on a été très mauvais là parce qu'il bougeait pas beaucoup et on a tout raté. Ok, c'est un allié. Donc oui, en général, je ne sors jamais l'arme secondaire quand je joue au sniper. J'aime pas moi, quand je joue au sniper. Bon, il y en a qui sortent l'arme secondaire à CDD, qui sont en duel, au corps à corps. Moi, c'est pas mon style de jeu. Moi, quand je joue au sniper, c'est pour jouer au sniper. Je sors mon arme secondaire uniquement si j'ai vraiment plus de munitions. De temps en temps, je la sors quand même pour gagner le duel si je suis en série ou quoi. Mais sinon, c'est en plus. Bon, là, au cop, je dois bien l'avouer. En plus, Fringe, c'est pas mal. Alors, en général, on tombe tout le temps sur Combine. Je sais pas, pour ceux qui n'ont pas le jeu et qui regardent la vidéo, vous vous rendez peut-être pas compte, mais on fait que du Combine. La map est bien, mais fou là là, c'est. De la jouer tout le temps, c'est la meilleure map du jeu, honnêtement. Mais la jouer tout le temps. Oh, j'ai pas entendu le storm ennemi, j'ai pas le son dans les oreilles, je vous le dis. Ça. Ok, lui. Alors les baïalages comme ça c'est très dur à mettre. Moi bon, j'ai ma touche R2 qui bug. Ouais. Oui, depuis que j'ai Black Ops 3, mes touches L2 et R2 commencent à bloquer. Il va falloir que je me rachète une manette à mon avis dans pas très très longtemps. Oh. Là j'ai entendu le foudroiement, j'ai voulu rentrer mais il y avait un ennemi en face de toute façon. Donc je pense que si c'était pas le foudroiement, c'était l'ennemi qui me tuait.
Alors, vous êtes où les gens? Ok. Bah ça va. Honnêtement, je trouve qu'on se débrouille très très bien. Oh, dommage qu'on a raté la balle. Dommage qu'on a raté la balle. On l'a raté genre à 37 10-3. Eh ben, je suis plutôt content de la partie. On va s'arrêter là. J'espère que... Non, je déconne. Je plaisante, évidemment. Oh, les marqueurs. Bon, j'ai tiré à travers. Là, je suis plutôt d'accord. Mais c'est quand même dommage. Surtout que c'est un sniper qui a tant de charge. Donc, ça devrait être une balle vraiment très très puissante, quoi. Heureusement qu'il bouge pas, lui. Oh, je l'ai même pas entendu. Oh, ouais, mais je l'ai pas entendu. Oh là là, en plus, il m'a raté, quoi. Lui, si j'avais eu les écouteurs ou un casque, mais je joue avec des écouteurs parce que j'ai plus de casque, il est cassé. Hein. Là, le casque que j'utilise avec le micro, bah, là j'utilise le casque, mais les écouteurs ne fonctionnent plus, il n'y a plus que le micro qui fonctionne. Va falloir que je me rachète un casque, comme ça je pourrai commenter en même temps qu'avoir le son dans le casque, et ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus. Beaucoup mieux. Ah! Pourquoi j'ai arrêté de tirer comme un con? En plus j'ai dit que je sortais par l'arme secondaire et là je l'ai sorti, mais c'est parce que j'étais dans le spawn ennemi, je voulais partir. Wow. Alors toi tu t'es ramassé un truc mon gars. Eh ben franchement. Eh ben moi je trouve qu'on est pas si mal, honnêtement. Il était où lui? Ah il était en bas, je croyais qu'il était à la fenêtre. J'ai jamais vu qu'il y avait un sniper en face, mais... Oui, le SVJ, ça sera un sniper qu'on testera. Bah, on testera toutes les armes de toute façon. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a un gardien là. Donc, est-ce qu'on est... Si on est là, est-ce qu'on est. Oui, on est touché si on est là, donc on va pas y aller. Ah, là, je méritais de le tuer. Je l'ai tiré en oscope. C'est pas amusant ça. Surtout qu'il est au fusil mitrailleur. Bon, il cope pas au fusil mitrailleur. Et ça, j'aime bien les gens qui ne copent pas. Ce qui m'énerve, comment. C'est les gens qui jouent, il m'a marqué, donc on va s'éloigner, ouais. Je savais bien qu'il avait... Oh, il y a un fantôme ennemi, sérieux les gars? Mais c'est quoi mes alliés là? 7-12, 7-10, 2-18, c'est quoi ça? Ah, sérieux, on est les gars, on n'est pas tombé avec la bonne team. C'est souvent comme ça, mais là c'est quand même exagéré parce qu'ils sont pas... Je suis désolé, mais tant qu'il y a le fantôme, là je vais un peu camper, bah, je suis à la fin de la partie à mon avis, parce que là je vais pas me sortir et me faire... Mourir en chaîne par le... Non. Ah, fais ton malheur mon gars, c'est mon équipe qui est nulle. Non, ça m'énerve quand je tombe dans l'équipe que pareil quoi. Regardez ça, 2-20, ils ont tous trash top. Bah, je suis vraiment désolé pour cette game les gens. 3-21, 9-13, c'est quoi ça, sérieux? C'est un niveau 45, en plus c'est même pas excusable quoi. C'est quoi son viseur bizarre là? Vise up mec, pour que je vois ton viseur bizarre. Ah, il va pas viser, il va tirer en scope. Ah si, regardez, c'est un viseur. C'est pas du tout précis comme viseur si. Bref. Je suis vraiment désolé pour cette game, c'est pas ma faute. Moi je faisais plutôt une bonne game, mais bon. Bah, mes alliés ont tous racheté, ont tous fait de la merde. Je suis vraiment désolé, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais je veux quand même vous présenter. Franchement, là je vous présenterai pas la vidéo, c'était une arme que j'avais déjà utilisée, mais comme c'est la première fois que je l'utilise, je vais vous la présenter parce que. Voilà quoi, c'est la première fois que j'utilisais l'arme et. Bah, je voulais vous présenter la première fois que je joue avec cette arme. C'est rare que ça racheté en plus dans le jeu. Enfin, c'est rare que ça rachète en groupe, pardon. Je précise, surtout en MME. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas ma faute, je suis vraiment désolé. On aurait largement pu la gagner, surtout qu'ils étaient pas. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas super forts, quoi. J'ai pas non plus. Je suis vraiment dégoûté, je suis désolé, je suis vraiment dégoûté. Alors, on a combien maintenant? On est seulement à 9. Ok, on a fait 9 kills avec. On va, voilà, donc on a débloqué quoi comme accessoire avec le recon. On va regarder le viseur de base, je pense, et le silencieux. On va pas mettre de silencieux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les gens. Moi, je vous dis à la prochaine. Moi, je continue mes spécialistes et mes armes en or. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Pour non, je vous dis à la prochaine pour d'autres tests. À la prochaine. Bye bye.